Mad, c'est Sam. J'ai trouvé l'enseignement que tu m'as demandé. Le propriétaire de l'appartement de Marble Street s'appelle Adrian Baker. C'est un ancien chirurgien véreux. Il vendait des médocs en douce à des camés. Avec son pactole, il s'est acheté quelques apparts dans des immeubles délabrés, dont celui de Marble Street. Mais son petit trafic a fini par être découvert. Il a fait quelques mois de prison et il a été radié de l'ordre des médecins. Intéressant. Merci pour l'information, Sam. Je t'en voudrais ça. Et Mad, sois prudente, ok? Compte sur moi, je te rappelle. Le propriétaire de l'appartement où Ethan s'est coupé le doigt habite ici. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai. Salut. On m'a dit que vous vendiez du bétropène. Sans ordonnance. Désolé. Je pense qu'on vous a mal renseigné. Au revoir. Attendez. J'ai vraiment besoin que vous me dépanniez. J'ai de quoi payer. C'est par là que vous auriez dû commencer. Je vous en prie, entrez. Alors, comme ça, tu cherches du bétropène, ma chérie. Des problèmes pour dormir? Combien il t'en faut? Je sais pas, 3 ou 4 boîtes. Je dois pouvoir te trouver ça. Tu prends un verre? J'allais m'en servir un. Merci, non. La cam et l'alcool, ça va ensemble, non? Et puis, il faut qu'on trinque à notre premier deal. C'est la première fois que je te vois. Qui t'a parlé de moi? Je sais plus. Ma mémoire fout le camp avec tous les médocs que je prends. Je plane les 3/4 du temps. Vous pouvez avoir n'importe quoi comme médicament? Tout ce qui s'achète a un prix, ma belle. Et toi, est-ce que t'as un prix? Laissez tomber. Je suis pas à vendre. Je suis à la recherche d'un appart en ce moment. Vous en avez à louer? Je suis désolé, mais ils sont déjà tous loués. Dommage. Je cherchais quelque chose dans le coin de Marble Street. Tu ne bois pas? En fait, j'ai pas très soif. Bon, je vais chercher ce qu'il te faut. Attends-moi sagement ici. Je serai pas long. Oh, ce type me colle la chair de poule. Vite, jetez un œil pour voir si je trouve quelque chose avant qu'il revienne. On dirait que le doc s'intéresse à l'immobilier. Entre autres choses. Thank you.
Eh ben, il est parti à la retraite avec des réserves. Il y a de quoi fournir une armée en somnifères. Petite fouineuse. Tu vas voir, on va bien s'amuser tous les deux. Je te le promets. Dis bonjour à Mathieu. Il prétendait venir pour le recensement. Encore un de ces foutus espions à la solde du gouvernement. Alors, comme ça tu t'intéresses à mon appartement de Marble Street? Je l'ai loué à mon ami Paco, puisque tu veux tout savoir. J'ignore ce qu'il y fait. Peut-être un petit nuitier pour sauter les danseuses du Blue Lagoon. Pour être franc, je m'en tape. Tant qu'il me paye son loyer, il peut bien faire ce qu'il veut. Mais trêve de bavardage. La chirurgie me manque, vois-tu. Alors je saisis la moindre occasion. Je n'ai pas d'instrument ici. Alors je fais avec les moyens du bord. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop. Attention, ça risque de piquer un petit peu. T'as remarqué? Dès qu'on veut bricoler, quelqu'un vient sonner à la porte. Je me débarrasse de ce gêneur et je reviens m'occuper de toi. Bouge pas, ce sera pas long. Bonjour, monsieur. Je suis venu vous apporter la parole du Seigneur par le biais de ces bibles magnifiques que je vous échangerai avec joie entre un nombre de saints de la mort. Merci, monsieur. Non, mon frère, je ne peux pas croire que la parole de notre Seigneur... No!
Mm-hmm.